c'est un résultat historique. Le Rassemblement national n'a jamais eu d'élus au premier tour aux élections législatives. Et aujourd'hui, ce sont plusieurs dizaines d'élus dès le premier tour. Je pense que tout ça est un élément de grande espérance pour des millions de Français. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair, empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Rien n'est gagné et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre.
Déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour lancer, dès la semaine prochaine, le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale. Demokratie selbstverständlich in den Händen der Wählerinnen und Wähler. Deswegen mischen wir uns von außen nicht ein und kommentieren auch nicht. Ich möchte an dieser Stelle allerdings deutlich machen, Deutschland und Frankreich tragen eine besondere Verantwortung für unser gemeinsames Europa. Und es kann niemanden kalt lassen, wenn bei uns selbst, zum Beispiel bei der Europawahl oder bei unserem allerengsten Partner und besten Freund, eine Partei weit vorne liegt, die in Europa das Problem und nicht die Lösung sieht.